Salut à tous. Bah écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, à un moment donné, je vous avais dit, ben voilà, Lucho, il allait vous parler un petit peu de son après-carrière, de sa reconversion. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis à la Gtimblis Academy à Castelnau d'Estrettefonds, à côté au nord de Toulouse. Et c'est donc mon activité principale aujourd'hui. Alors pour cela, c'est pas moi qui vais vous en parler. Je vais vous présenter mon ami Stéphane Morin, qui est mon ami depuis plus de 20 ans, qui est animateur pour de grands événements, qui est dans l'événementiel, et qui est donc mon partenaire aussi à la Gtimblis Academy, puisque tu m'as rejoint depuis quelques semaines maintenant. Donc, c'est pas moi qui vais expliquer un petit peu ma reconversion, c'est toi, Steph, par ton biais très professionnel et ton savoir-faire, qui va expliquer à tous mes amis de Facebook, LinkedIn et Instagram ma reconversion aujourd'hui. Merci Lucho, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi donc d'accompagner avant tout mon ami Lucho, mais également mon partenaire maintenant donc dans cette belle aventure au sein donc de la Gtimblis Academy de Toulouse. Et dans quelques instants, eh bien, on va vous présenter carrément les trois cofondateurs de cette belle académie qui mérite qu'être connue. Et ça va être le cas pour vous dans quelques instants. Donc on vous invite à monter avec nous, suivez-nous et on vous présente tout cela à l'étage supérieur. À tout de suite. On y va. Chose Non. promise, chose due, on est donc à l'Académie, à la Gtimblis de Toulouse, et comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va retrouver donc les trois cofondateurs de cette superbe aventure, et on va commencer donc par monsieur Nicolas Bayot. Il va se présenter. À toi, Nicolas. Bien, bonjour à tous. Pour ma part, j'ai 38 ans aujourd'hui. J'ai eu la chance de vivre une première fois de ma passion à travers le football, voilà, à travers différents clubs. Étant natif de Toulouse, j'ai eu la chance de démarrer ma carrière à Toulouse, Rodez, Châteauroux, les Crocodiles, à Nîmes et à Clermont où j'ai terminé ma carrière. Voilà, ça fait à peu près 12 ans. Et puis maintenant, je vais passer la parole à Pauline qui va se présenter. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, quand Nicolas a arrêté sa carrière en 2013, bien entendu, la question de la reconversion s'est posée. Et donc, on a racheté une société de promotion immobilière dans le nord toulousain. Je l'ai gérée pendant 6 ans. Mais le problème, c'est qu'on avait tellement de volume de travail qu'on n'a pas réussi à vraiment retrouver une qualité de vie familiale, on va dire, acceptable. Et donc, on a eu la chance de rencontrer Mathieu en 2018, qui nous a présenté une nouvelle manière d'entreprendre. Donc, bonjour, moi c'est Mathieu. Alors là, en fait, moi je viens de la Dordogne et j'étais dans le domaine de tout ce qui est bien-être, centre de remise en forme. Et je suis venu m'installer à Toulouse pour mettre au point la Gtimblis Academy avec Pauline et Nicolas. Alors, c'est quoi exactement la Gtimblis Academy? C'est un business clé en main et vous pouvez venir boire un café et ça peut changer pas mal de choses pour vous. Concrètement, ce business clé en main, eh bien déjà, tu peux le développer depuis chez toi, avec ton smartphone. Tu peux le faire vraiment à temps choisi, quelques heures dans la semaine ou à temps plein. Tu peux tranquillement générer des revenus immédiatement. D'accord? Ça, c'est la première étape. Et pour les personnes les plus ambitieuses, tu vas pouvoir mettre en place une rente progressive au fil des mois et des années. Ensuite, c'est ouvert vraiment à tout le monde. La seule condition, c'est d'être majeur. Okay? Donc, tout le monde peut faire cette activité, quel que soit le niveau d'études ou l'expérience professionnelle. Tu seras toujours accompagné, hein, on fait toujours un travail en équipe, ça c'est Ouais. important. Et enfin, donc on peut démarrer cette activité, cet entrepreneuriat pour moins de 100 € pour le lancement. Et il y a simplement deux choses à faire pour bien réussir l'activité. Ces deux choses, c'est quoi? C'est de nous mettre en relation avec des personnes qui veulent améliorer leur santé ou les personnes qui veulent améliorer leurs finances. Et bien sûr, tu les mets en relation avec Lucho. On va maintenant avoir notre conclusion, ta conclusion, Lucho, donc c'est à toi. Bah écoute, déjà tu restes avec moi et puis je vais faire venir mon pote aussi, Olivier, parce que c'est important de pouvoir vous réunir tous les deux dans cette aventure, parce qu'on est amis depuis plus de 20 ans, on se connaît, on a fait plein de choses ensemble, le Tour de France, Paris-Nice et tout ça. Et le fait que vous soyez avec moi dans cette aventure, bah c'est vraiment extraordinaire, ça prouve que vous me faites confiance. Et le fait d'être ambassadeur de cette Gtimblis Academy, d'être avec Mathieu Touillet, avec Pauline Bayot, avec Nicolas Bayot, ce sont des personnes extraordinaires qui ont un côté humain extraordinaire. Et l'avantage de la Gtimblis Academy, c'est qu'ils ne prêchent pas que pour leur paroisse, c'est qu'ils aident tout le monde à pouvoir se développer et se faire des revenus,
une rente à vie. Et ça, c'est important. Vu le contexte actuel que l'on vit aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de les suivre dans cette aventure. Beaucoup de monde ont décidé de me suivre dans cette aventure et c'est vraiment extraordinaire. Donc, ceux qui ont envie de se développer, ceux qui ont envie de changer de vie, ceux qui ont envie d'avoir un autre parcours, eh bien, venez nous rejoindre dans l'académie. Vous avez mon Insta, vous avez Facebook, vous pouvez me poser des questions, venir vers moi avec LinkedIn, il n'y a pas de problème. L'académie sera là pour vous accueillir et on trouvera toujours des solutions pour vous. En tout cas, chapeau, ce que vous faites, Mathieu, Nico, Pauline, vous êtes des gens vraiment extraordinaires et tous en route. Et c'est le momentum, ok? Venez me voir, voilà, c'est formidable, Dominique et tout, il y a plein de distributeurs qui ne sont pas là, mais ce n'est pas grave. Et vive l'avenir, l'espoir et l'amitié. Yes. Ciao. Ouais. À bientôt. À bientôt. Ciao.